Voilà, on se réveille avec la vue là. Imaginez. Hello! C'est comment la vie? La vie, c'est de l'eau. Exactement. Hello guys, welcome to my channel. It's your boy Spade in the building, and today we are on top of one of the best, biggest mountain in Togo, Balime Dayi. And today I'm going to take you guys with me, and we are going to cook one of the best dishes in Togo, rice and beans. So cooking rice and beans on top of the mountain, let's go. Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous amène sur la montagne de Dayi, au domaine Kadika, et on va cuisiner de l'ail molou sur la montagne à 800 mètres d'altitude. Ça va être fun. Allons-y les amis. Hello les amis, là on est sur la montagne. C'est là où on va rester pour la nuit avec l'association de mon frère Albert, comme je vous l'ai déjà annoncé dans la vidéo. Et là on va faire une vidéo où nous allons cuisiner l'ail molou national. Vous savez bien sûr que j'adore l'ail molou. Et là maintenant, on va cuisiner l'ail molou. Il y a les ingrédients qui sont là. Bizarrement, j'étais étonné. Hein? Il y a une belle cuisine. Hein? Une belle cuisine qui est là. J'étais franchement étonné. Il y a tout. Cuisine bien équipée. Je vais tout vous montrer. Tout le processus. D'accord? Allons-y. Cooking ail molou in the village. Let's go, les amis. Hey! C'est l'haricot qui est sur le feu. On va faire bouillir l'haricot parce que l'haricot ça prend beaucoup de temps. Donc on va faire bouillir l'haricot et comme ça gagner du temps sur les autres trucs. Donc on va faire bouillir l'haricot. On va aller maintenant écraser les condiments, les autres condiments. On va aller les écraser et revenir ensuite. Durant tout le temps là, l'haricot continue de bouillir sur le feu. Les petits poissons. Là, c'est le petit poisson qu'on va ajouter à la sauce tomate pour accompagner le ail molou. Donc là, je suis en train d'écraser les petits poissons. Je ne vais pas les écraser pour que ce soit trop... tout ça est à moitié écrasé pour avoir le goût là dans la sauce tomate. Imaginez, vous prenez de la sauce tomate là avec de l'ail molou et vous sentez un peu de poisson séché là-dedans. C'est trop bien. Et si ça donne le goût, là, on va éviter de mettre des bouillons, tout ça. Mais ça, c'est un bouillon naturel. Vous voyez, ça c'est un bouillon naturel, donc je vais écraser ça et mettre dans la sauce tomate pour pouvoir, voilà, mettre un goût spécial à la sauce tomate. C'est bon.
Ça, c'est ce qu'on appelle le ibomolu. C'est du riz qui est un peu adapté à la imolu. Voilà. La imolu, en fait, c'est du riz haricot. Donc, c'est avec le riz là. On a pris un demi-bol. Un demi-bol, et c'est avec ça qu'on va faire notre repas du soir au village. Au village civilisé. Village bien équipé. Ok. Nei Malia, Jembe a la Fima. Nei Burkina, Jembe a la Fima. Nei Senegal, Jembe a la Fima. Ça donne le cancer, donc de mettre la tomate d'abord avant de manger. Quand on met la tomate en boîte directement dans le lit, ça donne le cancer quoi. Donc de mettre la tomate fraîche écrasée, ça c'est la tomate fraîche écrasée que je mets dans le lit d'abord avant de mettre le... Voilà, et je laisse bouillir un peu. Donc je vais laisser bouillir un peu la tomate fraîche avant d'y mettre de la tomate concentrée, de la tomate en boîte. Parce que souvent les gens ont l'habitude de mettre l'huile et de mettre la tomate en boîte directement. Mais c'est comme si c'est un truc en boîte qui va directement dans l'huile et paraît-il que ça donne le cancer. Donc moi, surtout moi je préfère depuis, hein. Ce n'est pas parce que j'ai su l'information que ça donne le cancer que j'ai changé. Mais j'ai l'habitude de mettre la tomate fraîche d'abord dans l'huile avant d'y mettre la tomate concentrée. Donc là, on est en train d'ajouter la tomate concentrée, comme je vous l'ai dit avant. On est en train d'ajouter la tomate concentrée dessus pour que pour qu'il y ait de la consistance. Voilà. Donc c'est juste pour la tomate, la sauce tomate qu'on va accompagner, qui va accompagner plutôt le riz aux haricots, la humaine. Voilà. Là, on va ajouter un peu de bicarbonate parce qu'on sent un peu l'acidité. On ajoute un peu pour pouvoir terminer l'acidité qu'il y a dans la sauce tomate.
des choses qu'on a naturellement en Afrique. Personne ne nous a appris ça, mais on a juste produit ça comme ça en Afrique. Tu vois, les Blancs, ils ont besoin de faire de la chimie, des études, pour pouvoir connaître ça. Ça peut éternuer l'acidité, tout ça, tout ça. Nous, c'est naturel en Afrique. En cuisine, on sait que si on ajoute ça, ça va éternuer l'acidité, ça, ça et ça, la combinaison va donner ça. Voilà. Voilà pourquoi c'est bien. On est au village et on peut avoir tout ça au village. Voilà pourquoi l'Afrique est exceptionnelle. C'est pour ça que je le dis. Pour la diaspora africaine, vous allez en Europe, vous allez aux États-Unis, vous allez vous chercher, vous travaillez dur, vous avez de l'argent. C'est pour venir investir ici en Afrique. Ce n'est pas pour acheter les belles voitures et puis se dire qu'on est européen, qu'on est américain, se parler des Français européens, les Anglais, Américains, là, et puis dire que non, c'est pas ça. L'essentiel quand vous allez là-bas, c'est de chercher de l'argent, travailler dur et venir investir ici, en Afrique. Point virgule. D'ailleurs, point. Là, on va ajouter le poisson frais, le petit poisson frais que j'ai écrasé là. On va ajouter ça pour le goût. Parce que là, maintenant, on va mettre les assaisonnements. Et dans le premier assaisonnement qu'on va mettre, ou le premier assaisonnement, et laisser tout ça. L'assaisonnement qu'on va mettre maintenant, c'est les petits poissons écrasés. Et ça donne un autre goût carrément à la sauce tomate. Et... So as we were in the kitchen preparing the aimolu, some of us were preparing the campfire for the evening, because this evening we're going to dance, doing barbecue, and there is a lot of stuff going on in the evening, so we are preparing the campfire right now. Alors en attendant que l'aimolu ne soit prêt, il y a un autre groupe qui est en train de préparer le feu de camp pour ce soir, parce qu'on va faire du barbecue, danser, chanter le soir avec du feu de camp. Bon cœur en action. Yeah. Là c'est l'aimolu qu'on a cuisiné. Il sort le yo sign. On va voir. Ah ouais, comme la vidéo, elle m'a dit. Hello. C'est comment la vie? La vie, c'est de l'eau. La vie sur la montagne. Exactement. Ah. Exactement. La vie sur la montagne. Et on s'amuse bien. Ouais. Comme vous le savez. Aimolu est simple et net. Vous pouvez être à Dallas, à New York, à, je sais pas, à Toulouse, à Mien. Les gars, ça c'est l'aimolu naturel. Voilà. Ça c'est bon cœur ça. Vous êtes voilà, bon cœur. Exactement. Bon cœur réellement. Vous comprenez? Vous comprenez? Voilà, les Togolais vont comprendre bon cœur. Donc voilà, peu importe là où vous êtes. Rentrer et puis profiter. C'est mieux que d'aller à Ibiza. Quoi là. Laissez tout ça, revenez. Ça m'a inspiré. Pourquoi ça s'adapter la situation encore. J'espère que vous avez aimé l'aimolu et la vidéo en général. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires, à soutenir la chaîne avec un abonnement.
Hope you guys love this beautiful video on top of the mountain cooking Aimolu. If you like the Aimolu, tell me that, write your comment and tell me what you like in this video. And don't forget to subscribe to the channel. Love you guys.